Bonjour professeur Stéphane Honoré, vous êtes le président de la SFPC. Bonjour professeur Benoît Allenet, vous êtes le président du conseil scientifique de la SFPC. Professeur Stéphane Honoré, nous venons d'assister à votre allocution de l'ouverture du congrès. Quelles sont vos attentes pour ce congrès ? Alors, les attentes, c'est les attentes de tout organisateur de congrès, c'est que tous les participants puissent y trouver ce qu'ils sont venus y chercher. Alors, des explications sur des choses, sur des actualités, des publications que nous avons faites sur notamment le nouveau modèle de pharmacie clinique, mais également qu'ils viennent chercher et qu'ils puissent trouver, eh bien, dans le cas des ateliers, des outils pour leur pratique. Justement, Benoît Allenet, pour l'élaboration du programme scientifique, s'est attaché à ce que les ateliers puissent proposer ces outils et puis les attentes des congressistes qui puissent partager, que ce soit des moments conviviaux, et que tout le monde reparte de ce congrès en rapportant quelque chose à la maison. Professeur Benoît Allenet, vous nous avez parlé des déclinaisons du modèle dans le parcours patient. Mm-hmm. En pratique, comment cela va être mis en place ? Sur le plan méthodologique, le chantier, c'est de travailler sur cinq pathologies spécifiques. Oncologie orale, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque, le rhumatisme inflammatoire et le diabète de type 2. Surtout en ancrant sur ce que font nos collègues sur le terrain, c'est-à-dire officinal comme pharmacien hospitalier, ancré sur les moments dans la vie du patient où ils interviennent déjà, construire sur de l'expérience concrète. C'est ça le travail qui nous attend dans les quelques mois qui viennent. Parfait, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Bon congrès.